Parce que l'évangile de ce jour évoque le bon berger, le quatrième dimanche de Pâques est traditionnellement la journée de prière pour les vocations. Vocation, cela signifie appel, appel de la part de Dieu et appel qui nécessite une réponse. En fait, nous sommes tous appelés à la sainteté, comme le rappelle le Concile Vatican II, mais aussi chacun de nous est appelé de manière privilégiée à servir le Seigneur. Il y a ceux qui vont servir Dieu à travers leur vie ordinaire, dans le métier qu'ils exercent, dans la vie familiale ou matrimoniale, dans les loisirs qu'ils peuvent entreprendre aussi. Et puis il y a ceux qui sont appelés d'une manière plus particulière à consacrer leur existence. Bien sûr, les religieux, religieuses, qui témoignent de l'amour de Dieu qui peut dépasser toutes les amours humaines. Et puis, les diacres, les prêtres, qui, eux, vont signifier d'une manière plus spéciale la qualité de serviteur qui est la qualité propre du Christ, car il dit qu'il se fait le serviteur de tous pour les diacres, et la qualité de pasteur, qui est celle du Christ également, pour les prêtres, chargés de guider la communauté chrétienne et de donner par les sacrements, et en particulier le sacrement de l'Eucharistie, le Christ présent au milieu de nous. Prions pour les vocations, encourageons ceux qui sentent un appel en eux à pouvoir y répondre avec générosité, et rendons grâce pour tous ceux qui déjà donnent leur vie pour le service de l'Église.